وكما قال أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. Reprenons l'étude du livre Kitab al-Tawhid, الذي هو حق الله على العبيد. La semaine passée, j'avais cité les règles du sacrifice. Nous sommes aujourd'hui Yom al-Tarwiyah, le huitième jour de Dhul-Hijjah. Et demain, comme vous le savez, seront le neuvième jour qui correspond au jour de Arafah. Demain, vendredi, sera Yom Arafah. Et c'est recommandé de jeûner ce jour. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: j'espère qu'à travers ce jeûne, Allah efface les péchés de l'année passée et ceux de l'année suivante. Donc, on recommande aux musulmans de jeûner ce jour. Celui qui a jeûné aujourd'hui en plus, c'est une bonne chose. Mais celui qui n'a pas jeûné aujourd'hui peut malgré tout jeûner le vendredi, même seul, car il visera à travers cela le jeûne du jour de Arafah, et non pas le vendredi. Donc dans cela, Inch'Allah, il n'y aura pas de mal, comme a expliqué Ibn Baz rahimahullah ta'ala dans plusieurs de ses fatawas. Donc on peut jeûner le jour de Arafah seul, ou le jeûner avec le jeudi, c'est encore meilleur. Mais quant à celui qui n'a pas jeûné le jeudi, il pourra quand même le jeûner. قال الإمام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. أو باب من أطاع العلماء والأمراء إلى آخر. Nous entrons dans le chapitre numéro 37. Obéir aux savants et aux gouverneurs dans l'interdiction de ce qu'Allah a rendu licite et dans la légitimation de ce qu'Allah a interdit revient à les considérer comme des seigneurs en dehors d'Allah. Donc celui qui obéit aux savants ou bien aux dirigeants, aux gouverneurs, en rendant interdit ce qu'Allah a rendu licite, ou en rendant licite ce qu'Allah a rendu interdit, les aura considérés comme des seigneurs en dehors d'Allah. Ay shuraka'a fi tashri'a. C'est-à-dire qu'il aura associé ces gens-là à Allah dans une chose qui lui est propre, le fait de légiférer. Le fait de légiférer. Arbaban, jam'u rabb. Wa rabb huwa al-mutasarrif al-malik. Arbab et le pluriel du mot Rabb, qu'on traduirait ici par Seigneur. C'est celui qui gère tout, le seul maître. والتصرف نوعان. تصرف كوني وتصرف شرعي. Et le fait de gérer les choses peut se faire dans le domaine
universel et peut se faire dans le domaine législatif. Celui qui exagère sur les savants au point de rendre halal ce que par leur cause ce qu'Allah a rendu haram ou de rendre haram par leur cause ce qu'Allah a rendu halal, les aura pris en tant que seigneur dans le domaine de madha, la législation. Dans le domaine de la législation, car Allah Azza wa Jalla est le seul qui légifère. Celui qui, suite à l'avis d'un savant, qui contredit ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a légiféré, au point de changer sa législation, alors il l'aura pris en tant que Seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala nous a rendu certains aliments halal, permis, comme l'eau et le pain. Si tel savant dit par exemple, l'eau et le pain est haram, et qu'une personne le suit dans cela et prend comme croyance, suite à cela, que désormais le pain et l'eau seront deux choses haram, il les aura pris en tant que Seigneur en dehors d'Allah. Et pareil dans le domaine de rendre licite une chose. Munasabatu al-bab li kitab al-tawhid. Donc l'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-tawhid. Arada bidhalika bayan anna min lawazim al-tawhid ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bit-ta'a wa anna ta'ata ghayri Allah tabaraka wa ta'ala la yasughu illa idha kana mundarijatan tahta ta'atihi. L'auteur a voulu à travers ce chapitre nous montrer que celui qui reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala se doit de l'unifier dans l'obéissance, se doit d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et doit savoir que l'obéissance à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas permise sauf si elle ne contredit pas l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, sauf si aussi on peut obéir à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala que cette obéissance vient sous l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. En d'autres termes, ne contredit pas ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a cité et ordonné. Et la religion repose sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne peut y avoir d'islam sans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala ou celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves du Coran et de la Sunna nous ordonnant d'obéir à Allah jalla wa ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam sont très nombreuses. Une chose à savoir, c'est que le mot ta'a, l'obéissance, qui est donc le fait de faire ce qu'Allah nous ordonne, de laisser ce qu'il nous interdit. إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهي ترادف العبادة. Donc lorsqu'on parle de ta'a, d'obéissance, et qu'il s'agit de l'obéissance d'Allah, ça revient à parler d'adoration. Ça revient à dire l'adoration d'Allah. Quand tu dis ta'atullah, tu dis ibadatullah, c'est la même chose. Par contre, si tu annexes ce mot à autre qu'Allah, cela n'aura pas pour synonyme l'adoration forcément. N'aura pas forcément pour synonyme l'adoration. Mais lorsqu'il s'agit d'Allah, que tu dises ta'atullah ou ibadatullah, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Mais lorsque tu dis ta'atul rasulillah, par exemple, lorsque tu dis obéir au messager d'Allah, est-ce que ça revient à adorer le messager d'Allah? Non. Ça revient à quoi? Imtithal al-awamir wa ijtinab an-nawahi. Ça revient à se conformer à ce qu'on nous a dit de faire ou délaisser ce qu'on nous a interdit. Donc retenez cela. Lorsqu'on parle d'obéissance, s'il s'agit d'Allah, obéir à Allah, ça revient à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Dans sourate An-Nisa, verset 59, Allah nous dit: vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers,
ainsi qu'à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Ainsi que ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Remarquez ici qu'Allah Azza wa Jal a cité le verbe « obéissez à Allah ». Puis il a cité à nouveau le verbe « obéissez au messager ». Mais après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répété, il n'a pas cité le verbe. « Wa ulil amri minkum ». لأن طاعة العلماء والأمراء ليست مستقلة بل مندرجة تحت طاعة الله تبارك وتعالى. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas répété le verbe pour les gouverneurs et les savants qui sont ulul amr, ceux qui détiennent l'ordre parmi nous? Ça comprend deux catégories, les gouverneurs et les savants. Les gouverneurs et les savants. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas répété le verbe? Car nous obéissons au gouverneur, nous obéissons au savant, mais que dans ce qui est conforme aux ordres d'Allah et de son message. Donc ça n'est pas une obéissance absolue, une obéissance indépendante. C'est une obéissance, qui est rattachée à l'obéissance d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup se sont égarés dans ce domaine, c'est-à-dire dans l'obéissance d'Allah subhanahu et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَدَّمُوا كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ أَوْ عُقُولَ الْبَشَرِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les gens, par exemple, certains ont fait devancer leur raison sur les ordres d'Allah et de son messager. Donc lorsqu'il y a un ordre émanant d'Allah ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils le pèsent sur quelle balance? La balance de leur raison. Si c'est en conformité avec leur raison, ils l'acceptent. Dans le cas contraire, ils le rejettent. De manière explicite ou non. Donc ils ont inventé des règles et ils ont fait devancer leurs paroles, leurs raisons sur les lois, sur les ordres du Seigneur des mondes, du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, après avoir cité le hasard d'Ibn Abbas qui viendra, incha'Allah ta'ala, dans ce chapitre, il s'en faut de peu pour que des pierres vous tombent du ciel. Je vous dis, le messager d'Allah a dit sallallahu alayhi wa sallam, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit, suite à la citation de ce texte, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans son livre Al-Sawa'iq Al-Mursalah, rahimallahu ibn Abbas, kayfa law ra'a aqwaman yuqaddimuna ala qawli rasulillah, ala qawli Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, aqwala Arustu wa Platon wa dhakara ya'ni akharin kabishr al-Mirisi وأضرابهم. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, après avoir cité la parole d'Ibn Abbas, a dit qu'Allah fasse miséricorde, qu'Allah ait pitié d'Ibn Abbas. Qu'aurait dit Ibn Abbas s'il aurait vu les gens de notre époque qui ont fait devancer sur la parole d'Allah et de son messager la parole de Arustu, Aristote, la parole de Platon, et des philosophes, hein, et des pire personne de l'innovation comme Bishr al-Mirisi et d'autres. Donc, les gens qui ont discuté avec Ibn Abbas parlaient de qui? Des meilleurs de la communauté, Abu Bakr et Omar. Alors que les gens de notre époque prennent les têtes de la mécréance pour venir contredire les ordres d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais si Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit cela il y a des siècles, qu'allons-nous dire nous au jour d'aujourd'hui? Qu'allons-nous dire, nous, au jour d'aujourd'hui? Ces gens-là ne prétendaient pas se réclamer de l'islam. Mais nous, aujourd'hui, des gens qui se réclament de l'islam, subhanallah, rejettent les paroles d'Allah, tabaraka wa ta'ala, rejettent les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et disent, j'ai une raison, j'ai une intelligence. Ainsi, ils rejettent avec leur intelligence présumée les paroles d'Allah, tabaraka wa ta'ala, leur créateur, celui sans lequel ils ne peuvent vivre, celui sans lequel ils ne peuvent réussir. Et ils rejettent les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui leur a été envoyé en tant que miséricorde.
Parmi ceux qui ont contredit ce chapitre, les gens du fanatisme, ceux qui s'accrochent aux écoles de jurisprudence, comme ceux qui suivent les écoles de jurisprudence de manière aveugle et avec le pire fanatisme. C'est-à-dire que pour eux, tant que leur imam n'a pas agréé cette parole et pris cet avis, ça ne peut pas être un avis conforme à la vérité. Même si tu lui montres les versets du Coran, même si tu lui cites les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il lui faut encore, pour se tranquilliser, pour te suivre, que son imam ait agréé cet avis. Alors que toi, celui qui t'a été envoyé en tant que prophète et messager, n'est autre que qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils font devancer la parole de leurs imams sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta inna ahadahum qal kullu hadithin yukhalifu madhhabana fahuwa imma dha'if imma mu'awwal imma mansukh. L'un d'entre eux dépasse toutes les limites et on arrive à dire tout texte prophétique qui contredit notre madhhab est soit abrogé, soit faible, non authentique, soit il y a une explication. Subhanallah. Cela revient à dire que son madhhab est infaillible. Cela revient à dire que son madhhab est infaillible. Alors que cela n'a été accordé qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les hommes. Et lorsque tu lui cites un texte authentique et qu'il ne peut le réfuter, il te dit que son imam est plus savant que toi de la sunna. Donc il y a forcément une explication et tu es forcément toi en tort. Donc, quel que soit le nombre d'épreuves que tu puisses lui avancer, il ne délaissera jamais la parole du madhhab. Parmi ceux qui se sont égarés dans ce chapitre, il y a ceux qui ont amené les lois et ont délaissé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-qawanin al-wad'iyya, ceux qui ont fait devancer les lois des créatures sur la législation d'Allah le créateur subhanahu wa ta'ala. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Ils ne veulent pas les lois d'Allah azza wa jal. Ils prétendent que cette religion ne gère, n'organise que la relation directe entre la créature et son créateur. Quant au domaine, par exemple, de société, familiale et autres, l'islam ne régit pas ses affaires. كَذَلِكَ يَقُولُونَ وَكَذَبُ لَعَمْرُ اللَّهِ. C'est ainsi qu'ils disent إِمَّا بِلِسَانِ الْحَالَ وَبِلِسَانِ الْمَقَالِ. Et cela, sans aucun doute, est un égarement évident. Donc ils amènent de nouvelles lois afin de pallier, selon eux, au manquement qu'ils pourraient y avoir dans l'islam, wal'iyadu billah. Donc ils disent que l'islam organise la prière, la zakat, le pèlerinage, mais quant aux affaires sociales et familiales, cela n'est pas du ressort de l'islam. Il nous faut nous organiser, amener des lois pour gérer tout cela. Alors que subhanallah, dites-moi, quel est le verset le plus long du Coran? Est-ce qu'il parle de la prière? Est-ce qu'il parle de la zakat? Est-ce qu'il parle du hajj? Quel est le verset le plus long du Coran? Hein? Ayatul Dayn. Donc il traite de quoi? Des mu'amalat. Subhanallah. Le verset le plus long du Coran parle des transactions, parle de commerce ou parle des dettes. Subhanallah. Donc cette parole est erronée et très dangereuse pour l'islam de la personne s'il lui reste quelque chose de son islam après cela, bien sûr. Allez, celui qui dit
que l'islam n'est pas suffisant pour gérer les affaires des gens et qu'il nous faut obligatoirement amener de nouvelles lois et que ces lois sont meilleures que les lois d'Allah Azza wa Jal, sans aucun doute cette personne-là n'a aucune part d'islam. Et si auparavant elle était musulmane, elle est sortie de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadana. Donc l'auteur nous dit babu man ata'a al-ulama ou babu man ata'a al-ulama wa al-ubara fi tahrim ma halallah ou tahrim ma harram Allah faqad ittakhadhum arbaban min dunillah. Obéir aux savants et aux gouverneurs dans l'interdiction de ce qu'Allah a rendu licite et dans la légitimation de ce qu'Allah a interdit revient à les considérer comme seigneurs en dehors d'Allah. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس a dit je crains que des pierres vont bientôt vous tomber dessus du ciel, car je vous dis le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit, Ibn Abbas radiallahu anhu a cité cette parole dans un contexte particulier, c'est qu'il disait que le meilleur pour celui qui fait le hajj, c'est de faire at-tamattu'. C'est de faire at-tamattu'. Donc la personne vient au miqat, elle se met en état d'ihram lors de son voyage, puis il fait la umrah, le petit pèlerinage, puis il ressort de son état d'ihram et attend les débuts des rites du pèlerinage et se remet en état d'ihram et ainsi de suite. Les gens débattus et lui disaient oui, mais Abu Bakr et Omar ne disent pas ce que tu dis, ils ont un avis différent. Lui leur a amené les preuves et leur a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférer cela. Et s'il n'avait pas été dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé, il aurait fait at-tamattu'. Et eux ont débattu avec lui et n'ont pas accepté la parole d'Ibn Abbas radiallahu anhuma. Donc il leur a montré que ce qui devait prévaloir étaient les textes. Les textes. À partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose, il ne convenait plus aux musulmans de discuter cette chose. Même si en face, on avait les meilleurs de la communauté, les meilleurs de l'ensemble même des communautés après les prophètes et les messagers. Et qui est-ce qui a cité ici Abu Madha ibn Abbas radiallahu anhu? Abu Bakr et Omar, subhanallah, ce sont les meilleurs de la communauté. Et comme a expliqué Ibn Athaymin, même les meilleurs de l'ensemble des communautés sont les meilleurs compagnons de tous les messagers, de tous les prophètes. Car Allah dit dans le Coran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté ici entre les gens. Et les meilleurs de notre communauté sont Abu Bakr et Omar. Donc ils sont, en plus d'être les meilleurs de notre communauté, les meilleurs de la communauté de Isa alayhi salam, les meilleurs de la communauté de Moussa alayhi salam, et ainsi de suite. Ibn Abbas radiallahu anhuma nous montre ici la gravité qu'il y a à faire prévaloir la parole de quelqu'un, aussi noble soit-il, aussi pieux soit-il, aussi savantissime soit-il, sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. في بيان خطورة معارضة كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي تجديد والإغلاظ على من خالف السنة بعد أن استبانت له فهذا ينبغي أن يعامل بالشدة. On voit ici la dureté à l'égard de celui qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en connaissance de cause, après avoir eu les textes, après avoir su la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici la gravité de faire devancer la parole des gens
sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que cette personne est proche de recevoir un châtiment dans ce bas monde avant de le recevoir dans l'au-delà. Ibn Abbas nous dit ça alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidi al-mahdi al-arru alayha bin nawajid wa iyaakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin balala » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Cramponnez-vous à ma sunna ainsi qu'à la sunna des califs bien guidés. » Mordez-y à pleines dents. Qui sont les califs bien guidés? Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Malgré ça, regardez ou lisez et écoutez et méditez les paroles d'Ibn Abbas radiallahu anhuma. Il nous enseigne quel est le manhaj à emprunter. Le fait de toujours préférer et faire devancer les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les autres, même si cet autre est un noble et un grand savant de l'islam. Car qui meilleur que Abu Bakr et Omar tu pourras trouver? Si Ibn Abbas a dit cela pour Abu Bakr et Omar, à plus forte raison pour autre que. Il n'y a aucunement, bien sûr, dans cela, manque de respect vers Abu Bakr et Omar. Et qui respectait mieux Abu Bakr et Omar que Ibn Abbas radiallahu anhuma? Tu comprends de cela que lorsque celui qui a une science choisit un avis qui est appuyé par les savants par les textes, et que cela entraîne donc le fait de délaisser l'avis d'un autre savant, même si c'est un grand savant, il n'y a pas dans cela un manque de respect. Bien au contraire, les grands savants éduquent leurs élèves ainsi. Ils leur interdisent de les suivre à partir du moment où la sunna leur devient apparente. Et une anecdote avec le grand savant Salih al-Suhaymi, il nous raconte que peu de temps avant le décès du grand savant Al-Albani rahimahullah ta'ala, il l'a visité et lui a serré la main. Il était alité, un maza très faible. Les gens ont voulu présenter Cheikh Salih al-Suhaymi à Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala leur a dit: vous voulez me présenter celui qui a débattu avec moi ou qui a voulu dialoguer concernant le jeûne du samedi? Donc il leur a dit: je connais cet homme là d'accord. Après, Cheikh Suhaymi lui a dit: oui Cheikh, c'est moi, et je suis toujours sur mon avis. Cheikh Salih al-Suhaymi a comme avis qu'on peut jeûner le samedi, un jeûne surrogatoire. Cheikh Albani avait comme avis que c'est interdit de jeûner le samedi sauf si c'est un jeûne surrogatoire. Puis Cheikh Suhaymi a dit à Cheikh Albani: et je suis resté sur mon avis et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cheikh Albani a dit: c'est ainsi que nous voulons que nos élèves soient. Alors qu'il contredisait son avis, subhanallah. Il lui a dit: c'est ainsi que nous voulons que soient nos élèves. C'est-à-dire qu'ils fassent des efforts pour atteindre la sunna, et lorsqu'ils sont sur la sunna et qu'ils ont la certitude de l'être, qu'ils ne délaissent la sunna pour personne. Qu'ils ne délaissent la sunna pour personne. Ça, c'est le manhaj des salaf. Ça, c'est le chemin que le prophète, que Allah Azza wa Jal a tracé pour nous. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. Voici le chemin qu'il convient de suivre. فَلَا تَفْرِيقْ وَلَا إِفْرَاطْ. Il faut être dans ce domaine-là, dans le juste milieu. فَالْمَبْعُوثُ إِلَيْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وعنه نسأل في قبورنا وعنه نسأل يوم القيامة. Donc celui qui nous a été envoyé n'est autre que Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à son sujet que nous serons questionnés dans nos tombes. Et c'est à son sujet que nous serons questionnés يوم القيامة. Pas au sujet de quelqu'un d'autre. Pas au sujet de quelqu'un d'autre. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans Surat al-Qasas, le récit: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Et le jour où ils seront appelés, et on leur dira: qu'avez-vous répondu au messager? Qu'avez-vous répondu au messager? Au messager avec un S. Donc on ne leur dira pas: qu'avez-vous répondu à tel madhab? Qu'avez-vous répondu à telle personne?
Qu'avez-vous répondu au messager? Ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste, car même chez certains étudiants de Ahl Sunnah, tu peux voir un khalal, tu peux voir des manquements dans cela. C'est qu'ils s'accrochent aveuglément à un savant et n'acceptent plus que tu contredises ce savant. Non, tu dois être ainsi que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de lui, comme l'a dit l'imam Malik, de toute personne on accepte, on rejette. Sauf celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Ceux qui disent qu'ils sont des hommes et nous sommes des hommes. Donc les savants sont des hommes et nous sommes des hommes. Et les sahabas sont des hommes et nous sommes des hommes. Subhanallah. Sans les savants, tu ne peux pas attendre. La science, ce sont eux les héritiers des prophètes. Donc tu ne dois pas sauter cette étape non plus. Na'am. Donc il faut avoir le juste milieu. Celui qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu les preuves, après avoir compris cela, est un suiveur de ses passions. Il n'y a pas d'autre chemin. Allah dit dans le Coran, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكْ فَعْلَمْ أَنَّهُمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاهُمْ. S'ils ne te répondent pas, s'ils ne te suivent pas, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Donc lorsqu'on te dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, que tu sais qu'il a dit cela, et tu continues à contredire cet ordre-là, alors tu fais partie de ceux qui ont suivi leur passion. Wallahu al-musta'an, wallahu al-musta'an. Cette parole citée dans le livre Kitab al-Tawhid, la parole d'Ibn Abbas, les savants disent qu'on ne connaît pas de chaîne de transmission authentique qui remonte jusqu'à Ibn Abbas, mais c'est une parole connue. C'est une parole qui a été citée de savants, qui est connue chez les savants, dans les livres de savants, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui a cité ce atha dans quatre endroits de Majmou' al-Fatawa, par exemple. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, c'était dans Zadul Ma'ad, dans I'lam al-Muwaqqi'in, al-Sawa'iq al-Mursal, et dans d'autres livres. Et les savants ont pour habitude de citer ce atha. Donc peut-être qu'il y a eu une chaîne de transmission, mais qu'elle ne nous est pas parvenue. Wallahu a'lam. Donc l'auteur a cité ce Athar Ibn Abbas, qui est très important, car on y voit l'interdiction de prendre la parole d'un homme si elle contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est un gouverneur ou un savant. Et on voit la punition de laquelle on les menace. On tire de ce atha wujubu taqdimi qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala ghayrihi wa in alat martabatu. On tire de ce atha l'obligation de faire devancer la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la parole d'autre que lui, aussi élevé soit le rang de cet autre. Le fait de contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une cause pour recevoir un châtiment dans ce bas monde avant l'au-delà. Donc nous n'avons pas le droit de prendre la parole de savant ou de gouverneur à partir du moment où ça contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الامام احمد عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اتدري ما الفتنه الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. Le terme, c'est un deuxième athar
qui est la parole de l'imam de l'imam Ahl Sunnah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Il est décédé en l'an 241. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala nous dit: je m'étonne des gens qui connaissent la chaîne de transmission et son authenticité, malgré cela, adoptent l'opinion de Soufiane. Soufiane ici, c'est Soufiane al-Thawri. Soufiane ibn Sa'id al-Thawri, un imam de la Sunna, un grand savant. Et il avait un madhhab qui était suivi. Il est décédé en l'an 161. Donc l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala nous dit que je m'étonne de personnes qui ont un niveau de science au point elles ont connaissance du sanad de la chaîne de transmission, et malgré l'authenticité de certaines chaînes de transmission, donc cela les a amenés à connaître l'authenticité donc du hadith, malgré cela ils délaissent le texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour choisir l'avis de Soufiane al-Thawri dans une question religieuse. Imam Ahmad dit: je m'étonne de cela. Puis il nous montre la gravité de cette action en citant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la traduction: que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Ceux qui s'opposent à son ordre, c'est-à-dire à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le montre le contexte. Puis l'imam Ahmad dit: sais-tu quelle est cette épreuve? C'est le shirk, le polythéisme. Car si la personne délaisse une partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une déviation naîtra ou peut naître dans son cœur, et ceci le fera tomber dans la perdition. Donc en rejetant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera éprouvé par une maladie du cœur, son cœur va dévier, et ainsi il périra. في هذا الأثر بيان أن من تمكن من الوصول إلى معرفة الحق والراجح من المرجوح لا يسوغ التقليد لأهل العلم. Donc ici, dans la parole d'Imam Ahmed, on comprend que celui qui a atteint un certain niveau de science, au point de pouvoir avoir accès à la vérité et de savoir quel est l'avis le plus juste des avis des gens de science, celui-ci ne lui est pas permis de suivre aveuglément un des savants. Il doit regarder et chercher dans les textes quel est l'avis prépondérant. Le sens de l'fitna dans le verset: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Et, selon l'avis choisi par l'imam Ahmed et d'autres, al-shirk wal-kufr, c'est le polythéisme et la mécréance. Sachez néanmoins que d'autres parmi les savants ont cité deux autres paroles. Le premier avis est dalala, c'est l'égarement. Le deuxième avis est al-ibtila ou fid-dunya, l'épreuve dans ce bas-monde. نستفيد من هذا الأثار أن من ترك الحق والسنة قد يعاقب بزيغ القلب وترك الاتباع. On tire de ce athar que celui qui délaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui délaisse la vérité, pourra être éprouvé par la déviation du cœur et le fait de délaisser le suivi de la vérité. Une faïda qui a été citée par certains savants, parmi eux Ibn Uthaymin et d'autres, c'est que le verbe, ou plutôt na'am yukhalifu,
فليحذر الذين يخالفون يعني عدي بعن ici le fait de s'éloigner de contredire on a dit s'éloigner contredire ou bien s'éloigner de en arabe on a cité le mot an et la connotation qui nous est citée ici il y a un éloignement donc il y a un délaissement avec un éloignement volontaire donc la personne de laquelle il s'agit ici c'est une personne qui a volontairement délaissé la sunna qui s'est enorgueillie devant la sunna qui s'est enorgueillie du suivi de la sunna c'est de cette personne qu'il s'agit quant à la personne qui par ignorance par incompréhension après avoir recherché la vérité n'a pas pu l'atteindre cette personne n'est pas visée par ce genre de texte mais tu dois faire les efforts malgré ton ignorance tu dois faire les efforts pour savoir la vérité si tu n'as pas la capacité de venir sur les textes tu dois chercher qui sont les savants de Ahl Sunna les savants de confiance pour les questionner sur ton affaire فعدي الفعل يخالفون بعن مع أنه يتعدى بنفسه وفائدة ذلك أنه يتضمن الإعراض والاستكبار عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب على كل مسلم أن يقصد الحق واتباع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم donc ce qui nous incombe à tous est de rechercher la vérité tu dois demander, tu dois questionner, tu dois chercher tu dois tout faire pour être sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne jamais délaisser sa sunna, cette vérité pour la parole d'une personne quelle que soit la noblesse, la piété la science de cette personne فكلام العلماء حفظهم الله ورحمهم يستعان به على الوصول إلى معرفة أو فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكلام أهل العلم رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم بمنزلة النجم للمسافر الذي يريد أن يعرف القبلة Donc la parole des savants, qu'Allah élève leur rang, les préserve, les élève dans ce bas monde et dans l'au-delà, et qu'il fasse miséricorde à ceux qui sont décédés parmi eux. La parole des gens de science est semblable aux étoiles. Pour le voyageur qui cherche son chemin, et qui cherche la direction de la prière par exemple, Al-Ka'ba, la Qibla, il ne peut s'en passer, et ça a la plus grande importance. Mais arrivé devant la Kaaba, est-ce qu'il continue à prendre la lumière de l'étoile et chercher l'étoile? Ou bien il va regarder à présent, il regardera la Kaaba. Sahih? Ben c'est ainsi qu'il se comporte avec la parole des savants. C'est ainsi qu'il se comporte avec la parole des savants. C'est-à-dire qu'après avoir trouvé la vérité, qu'il aura trouvé avec d'autres savants bien sûr, il ne devra plus délaisser cette vérité pour chercher encore la parole d'un autre savant ou délaisser cette vérité pour la parole d'un autre savant. ومع ذلك يحفظ مقام أهل العلم Et avec tout ça, en disant tout ça, on maintient le rang des savants, le respect, l'amour et la considération pour les gens de science. Ils ne sont pas infaillibles, donc on ne peut pas les suivre aveuglément dans tout. Celui qu'on suit dans tout, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, ce sont les héritiers des prophètes. Les meilleurs des gens, on les respecte, on les aime. On les secoue, on ne se permet pas de leur manquer de respect ni de les insulter. On les défend
lorsque des gens leur manquent de respect. Voici le juste milieu sur lequel sont les gens de Ahl Sunnah. Et plus la personne étudie la Sunnah, plus elle se retrouve dans ce juste milieu. Certains ont de l'exagération et font des paroles des savants, des ahadiths prophétiques, et d'autres ont du laxisme et considèrent les paroles des savants comme la parole des gens de la masse. Le juste milieu se trouve entre les deux. Donc il te faut trouver le juste milieu qu'il y a entre le fanatisme, le respect des savants et le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en respectant les ulama. Tu tires profit de leurs livres, tu reviens à eux, tu t'aides de leur lumière pour avancer, tu les questionnes lorsque tu as un problème, tu les cites en bien. Tu tires profit de leurs livres, de leurs efforts, mais tu ne les prends pas en tant que prophète. Contrairement à Ahl al-Ta'assub, contrairement aux gens du fanatisme, que ce soit dans les mazahib ou autres, qui lorsqu'un texte vient, ne l'acceptent pas tant que leur shir ou leur madhab ne l'a pas reconnu. Alors que les imams de la sunna eux-mêmes condamnent le fanatisme. C'est permis de suivre un madhhab et de suivre un madhhab pour comprendre le texte. Mais à partir du moment où une erreur t'est démontrée, tu n'as pas le droit de rester sur cette erreur. L'imam al-Shafi'i dit « Ajma' ahlul ilm anna man istabanat law sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » لم يكن أن يضعها لقول أحد كائنا من كان. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ندي. Il y a le consensus des savants quant au fait que celui à qui la sunna a été démontrée n'a plus le droit de la délaisser pour prendre la parole d'une personne quelle qu'elle soit. الإمام مالك ندي من كل يؤخذ قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. De toute personne on accepte sa parole, on la rejette, sauf celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains disaient dans صح الحديث فهو مذهبي, c'est le hadith authentique, alors il sera de mon école, yani je prendrai cet avis. Et certains disaient ne prenez pas de moi ni d'un tel, mais prenez d'où nous avons pris, c'est-à-dire des textes de la base. Certains disaient, j'interdis à quiconque de me suivre aveuglément tant qu'il n'aura pas su d'où j'ai pris. Tant qu'il n'aura pas su d'où j'ai pris. Voici les paroles des gens qui sont sincères. Voici les paroles des gens qui sont sincères. Quant à celui qui t'oblige à prendre son avis et qui n'est satisfait de toi que si tu le suis aveuglément dans toutes les questions, alors celui-ci a eu un manque de sincérité dans l'enseignement et dans le prêche, qu'Allah nous en préserve. Quant à l'ignorant, celui qui n'a pas la capacité de comprendre le texte, son obligation est de faire ce qu'Allah lui a ordonné dans le Coran, fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens qui savent si vous ne savez pas. Malgré ça, il ne doit pas demander à n'importe qui. Il doit demander qui sont les savants du haqq, qui sont les savants de la vérité, et ainsi de suite. Donc l'auteur a cité ce athar dans ce chapitre, لنا في تحذير من تقليد العلماء وغير ماذا وغيرهم بغير دليل مما يؤدي إلى ترك السنة إلى ترك الكتاب والسنة وأن هذا خلل في الطاعة في باب الطاعة. L'auteur a cité ce athar car on y voit l'interdiction de suivre aveuglément des savants lorsqu'il y a la contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cela est un grand manquement dans l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نستفيد من هذا الاثر تحريم التقليد على ما يعرف الدليل على ما يعرف الدليل. On tire de ce texte l'interdiction de suivre aveuglément pour celui qui a la capacité de connaître les preuves.
et comment se comporter avec les preuves à l'istidlal, et ainsi de suite. Cheikh Fawzan dit, on tire de cela jawaz al-taqlid liman la ya'rif ad-dalil. On tire la permission de suivre sans les preuves un savant pour celui qui n'a pas la capacité de connaître les preuves. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala a cité un autre texte. An Adi ibn Hatim annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u hadhihi al-aya. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه. عدي بن حاتم Rahimahullah, radiallahu anhu, a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter les versets suivants. Ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah, jusqu'à la fin du verset. Je lui ai dit, nous ne les adorions pas. Il m'a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, n'interdisait-il pas ce qu'Allah a rendu licite et vous l'interdisiez? Ne légitimait-il pas ce qu'Allah a interdit et vous le légitimiez? J'ai dit, certes, c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, telle était l'adoration que vous leur vouiez. Rapporté par Ahmed al-Tirmidhi qui a considéré ce hadith comme ayant une bonne chaîne de transmission. Adi ibn Hatim est décédé en l'an 68 après l'Hégire. Il avait 120 ans. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce verset et qu'il lui a été problématique. C'est-à-dire que Adi ibn Abi Hatim n'a pas parfaitement compris ce verset. Ce verset lui a posé problème dans sa compréhension. Allah dit dans le Coran, ittakhadou, ils ont pris, c'est-à-dire les gens du livre, ahbarahum, al-ahbar, jam'u al-hibr, wal-habr, wa huwa al-alim, al-wasi'u al-ilm, wa minhum ulama'u al-yahoud. Al-ahbar, c'est le pluriel du mot habr, on dit aussi hibr. Et le mot habr veut dire le savant qui a beaucoup de science. D'accord ? Entre dans cela les savants chez les juifs. Donc ils ont pris leurs savants. Wa ruhbanahum. Ar-ruhban, jam'u rahib, wa huwa al-abid. Ar-ruhban sont les dévots, les grands adorateurs. Ceux qui se consacrent à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En général, quand on dit al-ahbar, on parle des gens de science chez les juifs. Et lorsqu'on dit al-ruhban, on parle des gens qui s'adonnent à l'adoration chez les chrétiens. Mais de manière plus générale, al-habr, c'est le grand savant. Al-rahib, c'est le dévot. Donc, ils ont pris les gens de science chez eux et les gens mazapieux ou bien les adorateurs chez eux en tant que seigneur en dehors d'Allah. Arbaban min dunillah, ay musharikina lillah fi tashri'. C'est-à-dire qu'ils les ont pris en associé avec Allah dans le fait de légiférer. Fa innam yuhalliluna lahum aw yuhilluna لهم ما حرم الله فيطيعونهم في ذلك ويحرمون ما أحل الله فيطيعونهم في ذلك أي يعتقدون حل ذلك وتحريم ذاك. Donc ils les ont pris en associé avec Allah Azza wa Jal dans le pouvoir de légiférer. De quelle manière?
ils rendent haram ce qu'Allah a rendu licite, et ils prennent alors cette croyance et rendent haram ce qu'Allah a rendu licite. Et vice versa. فالشرك هنا شرك الطاعة. Polythéisme ici, c'est le polythéisme dans l'obéissance. Dans l'obéissance. والمسيح. Ils ont également pris en Seigneur Isa alayhi salam. Ils ont également pris en Seigneur Isa alayhi salam. De quelle manière? En lui donnant l'adoration. Donc on comprend que le fait de prendre en tant que Seigneur les savants et les dévots diverge de la manière dont ils ont pris Isa alayhi salam en tant que Seigneur. Donc Allah dit takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Donc ils ont pris aussi Isa alayhi salam en tant que Seigneur. De quelle façon? Une façon différente. Vous avez compris que pour al-ahbar wal-ma'za ruhban, c'est dans shirk al-ta'a. Dans le fait de rendre halal ce qu'Allah a rendu haram et haram ce qu'Allah a rendu halal. Pour Isa alayhi salam, c'est différent. Pour Isa alayhi salam, ittakhaduhu rabban bittaqarrub ilayhi bisarfi lahu. Donc ils lui ont donné des adorations. Ils lui ont donné des adorations comme le dua, le rahba, le mahabba et ainsi de suite. Des formes d'adoration comme l'amour, la crainte, l'espoir, le dua et autres. Aussi ils lui ont donné des formes de rububiyya. Aussi ils lui ont donné des parties de rububiyya. Taqadu fi rububiyya. Ils ont eu comme croyance en lui, la seigneurie, des formes de seigneurie. Ce texte a été rendu bon par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, bi majmu'i turuqi, fi kitab, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, plutôt par Ibn al-Qayyim Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans son livre Kitab al-Iman. À la fin de la page, on voit que l'auteur a dit, rapporté par Ahmed et Tirmidhi. En effet, il est rapporté par Ahmed et Tirmidhi. Par la suite, il dit, wa hassana. Et l'imam et Tirmidhi l'a jugé bon. Il l'a rendu hassan, mais a quand même attiré notre attention sur un défaut dans la chaîne de transmission. Adi, lorsqu'il a entendu le prophète sallam réciter ce verset, lui a dit inna lasna na'buduhum, on ne les adorait pas. Et Adi, il a compris de par l'adoration le sujoud, le sacrifice et ces formes là d'adoration. Il n'a pas pensé à shirk fi ta'a. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a éclairci cela en lui disant, n'interdisait-il pas ce qu'Allah a rendu licite et vous l'interdisiez, jusqu'à la fin du Athar. Ainsi Adi a compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Ici, le mot Rab est cité, Arbab. Pourtant Adi nous parle, lui, de l'adoration, comme si c'est le mot Ilah qui avait été cité. Comment expliquer cela? Sachant que Adi fait partie des premiers siècles, donc sa langue est une preuve dans la langue arabe. Donc, Fahima mittirad al-Rab al-Ibad. Donc, il a compris du fait de prendre Seigneur, en tant que Seigneur, il a compris le fait de les adorer. Pour expliquer cela, les savants citent deux choses. La première, c'est ce qui est l'avis de l'auteur lui-même, Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est que le mot al-Rab et le mot Ilah, c'est comme le mot al-Bir wa al-Taqwa, et c'est comme le mot al-Iman wa al-Islam. Lorsqu'on trouve un seul de ces termes dans un texte, alors ça englobe les deux sens, le sens des deux termes. Et lorsqu'on trouve les deux termes dans le même texte, alors chaque terme aura une particularité.
Par exemple, l'islam et l'iman. Lorsqu'on cite l'islam et l'iman dans le même texte, l'islam fera référence à quoi? Ibrahim. L'islam, les actes apparents, comme le hadith Jibril, et l'iman, intérieur. D'accord? Al-bir ou al-taqwa. Al-bir, si c'est cité avec al-taqwa, ce sera le bien. Et al-taqwa, le fait de délaisser le mal. Mais si on cite un seul texte, ça englobera les deux. S'englobera les deux. Pareil pour Arab ou al-ilah. Si on cite Arab avec al-ilah, Arab sera al-sayyid, al-mutasarrif, al-malik, sera le maître absolu, le gérant et les formes de rububiyya. Et al-ilah, ce sera celui qui est adoré. Mais si on cite un seul des deux, ça englobera les deux. Cela englobera les deux. Ça, c'est la première explication. La deuxième, ذَكَرَهُنَا لَوَازِمَ الرُّبُوبِيَّ. C'est qu'il a cité ce qui découle de l'Rububiyya. C'est-à-dire, ils les ont pris en tant que Seigneur, donc ils les ont adorés, car le Seigneur est celui qui mérite d'être adoré. Donc, si ce texte est bon, ce texte est accepté, il fera office de tafsir, d'explication et d'éclaircissement pour le verset. Al-Shaykh, rahimahullah ta'ala, dans certaines réponses, certaines de ses réponses dans Dorar al-Siniya, a expliqué le mot arbab de la meilleure façon en disant: من أفتاك بمخالفة الحق فأطعته مصدقا من أفتاك بمخالفة الحق فأطعته مصدقا. C'est celui qui t'a donné un avis religieux qui est en contradiction avec la vérité, c'est-à-dire les textes, et toi tu lui as obéi dans cela en reconnaissant ses dires. En reconnaissant ses dires. Si tu fais cela, tu l'as pris en tant que Rabb. Munasabatu al-hadith lil-bab, ta'atu al-makhluq fi ma'siyati Allah, qad takun 'ibadatan lahu min duni Allah. La siyama fi at-tashri' wal-ahkam. Le fait d'obéir aux créatures, si cela engendre une désobéissance d'Allah, peut entrer dans le fait de donner un égal à Allah, particulièrement dans le domaine législatif. On tire de cela que tahlil wa tahrim haqqullah subhanahu wa ta'ala. من خصائص الله تبارك وتعالى من خصائص الربوبية. On tire de cela que le fait de légiférer est une des particularités d'Allah تبارك وتعالى. Et que parmi les formes de shirk, il y a shirk الطاعة. On tire également de ce texte مشروعية تعليم الجاهل. Le fait d'enseigner à celui qui ne sait pas et d'éclaircir la science à celui pour qui elle n'est pas clair. Un des rôles des gens qui savent, c'est d'éclaircir les choses de ceux qui ne savent pas ou ceux qui n'ont pas compris. Je réitère la remarque faite au début du cours. الطاعة في حق الله يعني توظيفة إلى الله طاعة الله تستلزم ماذا هي بمعنى العباد أما Donc quand on dit l'obéissance d'Allah, c'est comme dire l'adoration d'Allah. Mais pour autre qu'Allah, ce sens ne sera pas forcément automatique ou ne sera pas forcément compris. Tu dis par exemple ta'atul walidayn wa la turid ibadatahum. قبل ذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تريد بذلك عبادته. On
Donc ce n'est pas toute personne à qui tu obéis dans un péché que tu as adoré. Contrairement à ce qu'ont compris certaines personnes qui ont des ambiguïtés et qui ont donc par la suite rendu mécréant ce qu'Allah et son messager n'avaient pas ce qu'Allah n'avait pas rendu mécréant ni son messager sallallahu alayhi wa sallam. فلفظ الطاعة أوسع من لفظ العبادة. الطاعة في التحليل والتحريم تنقسم إلى قسمين. Le fait d'obéir à quelqu'un dans le fait de rendre halal ce qu'Allah a rendu interdit ou haram ce qu'Allah a rendu licite se divise en deux. في الاعتقاد وفي الفعل. La première partie c'est dans la croyance. Suivre et obéir dans la croyance. La deuxième partie, c'est dans l'action. Dans l'action. En d'autres termes, quel est le jugement d'obéir à la créature qui a rendu halal ce qu'Allah a rendu haram et haram ce qu'Allah a rendu halal. Premièrement, ça se divise en deux. Lui obéir de par notre croyance, c'est-à-dire d'adopter cette croyance, ou bien lui obéir dans les actions, c'est-à-dire de faire la chose, mais pas forcément dans la voie de changer notre croyance, notre conviction. Donc, al-i'tiqad, al-ta'a fi al-i'tiqad ala thalathati aqsam. Donc, premièrement, dans la croyance, ça se divise en trois. Ou bien il y a trois formes. يعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى يسوغ له أن يحلل أو يحرم برأيه وهواه وإن لم يطعه بالفعل هذا شرك أكبر. Le premier cas de l'obéissance dans la croyance, c'est le fait d'avoir comme croyance, comme conviction, qu'autre qu'Allah a la permission, peut rendre halal des choses et rendre haram en dehors d'Allah. C'est compris? Donc avec son simple avis, avec ses passions, il rend halal telle chose, il rend haram telle chose. Une personne vient et le suit avec sa croyance dans cela. Il adopte comme croyance que cette chose qu'Allah avait rendue permise, désormais sera haram. Ou que cette chose qu'Allah avait rendue interdit, désormais sera licite. Est-ce que vous comprenez le terme rendre halal avec sa croyance? C'est clair ou pas? C'est-à-dire qu'il va changer sa conviction sur le jugement de cette chose. Il sait que Allah Azza wa Jal a rendu telle chose permise. Ben, pour lui, à partir de maintenant, cette chose sera interdite. D'accord? Il va suivre cette personne et adopter son avis. Délaisser la législation d'Allah Azza wa Jal et emprunter la législation, adopter la législation de cette créature. Quel est le jugement de faire cela? De dire non, Allah Azza wa Jal certes a rendu la telle boisson halal, mais moi, je dis que maintenant elle est haram, parce que mon shirk l'a rendu haram. Est-ce que ça c'est clair? Ça c'est rendre halal avec sa aqidah, avec son i'tiqad. Quel est le jugement de faire ça? Il a donné un égal à Allah. Il a donné un égal à Allah tabaraka wa ta'ala et commis un acte de polythéisme majeur. Hada shirkun akbar. Même s'il ne met pas en pratique cette chose. D'accord? Par exemple, il lui dit que l'alcool c'est halal. Lui il sait qu'Allah a rendu haram l'alcool. Mais à partir de maintenant, il a comme croyance que c'est halal. Parce que tel shirk l'a rendu halal. Quel est le jugement de faire cette action-là avec son cœur, de prendre cette croyance, de prendre cette conviction? C'est du shirk akbar. Est-ce qu'on va conditionner la consommation de l'alcool pour cet homme pour dire que c'est un mushrik? Non. Avec sa croyance, il est tombé dans le shirk akbar. Hein? Même s'il ne boit pas. Le deuxième cas, أن يحلل المرء الحرام أو يحرم الحلال فيتبعه
على ذلك معتقدا فاتبع على ذلك معتقدا Donc, le deuxième cas, c'est que son cheikh rende halal ce qu'Allah a rendu haram et haram ce qu'Allah a rendu halal, et il le suit dans cela en ayant encore une fois la conviction. C'est-à-dire qu'il prend comme croyance que ce qu'Allah avait auparavant rendu halal est devenu maintenant haram, et que ce qu'Allah avait rendu halal est devenu maintenant haram. Donc, il rend haram le halal et halal le haram. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce qu'il obéit à son cheikh. Parce qu'il obéit à telle personne. Hada shirkun akbar. Cela arrive de Ghulat al-Sufiyya ou bien de Al-Quburiyyun. Cela arrive chez ceux qui ont dépassé les limites des limites du soufisme. Ou bien Mazza qui est un égarement évident, total. Mazza et ceux qui adorent les saints et les tombeaux, ces gens-là tombent dans cette énormité. Le troisième cas, ayataqida annahu yajuzu lahu an yuti'a al-mu'azzam wa al-umara fi ma'asiyatin idha amarahu bih. Hadha aydan shirkun akbar. Le troisième cas, c'est le fait d'avoir comme croyance que tu as le droit de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala si tel shirk te l'ordonne. Ou de considérer halal telle chose si tel, qu'Allah a rendu interdite, si Allah, si tel shirk te l'ordonne ou te les permet. Je répète. Que la personne ait comme conviction qu'il a la permission d'obéir à autre qu'Allah azza wa jal, alors que cet autre ordonne de désobéir Allah. Ou rend permis une chose qu'Allah a rendu halal. Une chose qu'Allah a rendu haram. Donc le fait d'avoir cette croyance, c'est-à-dire que tu peux prendre telle créature et faire devancer son avis sur ce qu'Allah a dit, ça également c'est du shirk akbar. Car cette personne aura démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aura démenti Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innama ta'atu fil ma'ruf. On ne doit obéir que dans ce qui est convenable. Si on t'ordonne quelque chose où il y a le dépassement des limites, tu ne dois pas obéir. Si par exemple on t'ordonne de délaisser la prière, tu ne dois pas obéir. Si on ordonne à la femme d'enlever le hijab, elle ne doit pas obéir. Le deuxième cas, c'est l'obéissance avec les actions, c'est-à-dire mettre en pratique la chose ordonnée par le shir ou la personne. Est-ce que la distinction est claire? Les trois premières situations traitaient du domaine de l'i'tiqad, la conviction, la croyance adoptée. Le deuxième cas traite du domaine de l'action, d'accord? L'agissement, le fait de faire avec ses membres. Mettre en pratique la chose. Le premier cas, donc cela se divise en deux. Le premier cas, ayuti'a bil fi'l fi amrin shirki, hadha shirkun akbar. Afwan, le premier cas, c'est donc le fait d'obéir. Hein? Alors que dans cet ordre, il dit, yani, cet ordre-là, en le mettant en pratique, on tomberait dans le shirk. Vous avez compris? Donc la personne ordonne par exemple d'égorger pour une bête pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. Il lui obéit, il vient et égorge la bête. D'accord? Est-ce qu'à ce moment-là on va regarder sa croyance ou autre? Al-dhabh li ghayrillah, c'est une chose akbar. Il a sacrifié une bête pour autre qu'Allah. Donc il lui a obéi dans un ordre qui est du shirk. Quel sera le jugement de cette personne? Il est tombé dans quoi? Al-shirkul akbar, sans un mushrik. Il lui ordonne par exemple de se prosterner devant la tombe. Et lui, il lui obéit dans cela. Quel sera le jugement? Shirkun akbar. La deuxième situation, un yuti'ahu fi ma'asiyatillah.
وهو يعلم ويعتقد أن هذا الفعل معصية. Le deuxième cas, on lui ordonne de désobéir à Allah. Il désobéit à Allah, mais tout en ayant comme croyance qu'il est dans le péché. Est-ce que vous faites la différence entre ce dernier cas et les autres? Dans les autres cas, il change sa croyance. Ou bien il fait une action qui est du shirk. Alors que dans ce cas-là, il fait une action qui est un péché ou bien un grand péché, mais en dessous du shirk. Et deuxièmement, il ne change pas sa conviction. Il sait que c'est haram, il dit que c'est haram, il sait qu'il est dans le péché. Quel est le jugement de cette personne? C'est un fasiq. Il est tombé dans la perversion, mais il n'est pas sorti de l'islam. Mais il n'est pas sorti dans l'islam, de l'islam. Il a fait un péché. Il a fait un péché. Dans le cas contraire, on sera obligé de dire que toute personne qui désobéit Allah Azza wa Jalla, c'est un mouchrik. Et cela n'est pas le cas. Voici le détail de cette question qui a causé, ou bien dont l'incompréhension a causé des troubles. Par exemple, pour illustrer le dernier cas, une personne lui ordonne de boire de l'alcool, ou lui dit de boire de l'alcool. Et il vient, il boit de l'alcool. Est-ce que pour autant il sort de l'islam? Non, il a commis un péché. Il a commis un péché. C'est un fasiq, mais on ne dit pas que c'est un kafir. On ne dit pas que c'est un kafir. On lui ordonne de voler, il vole. Est-ce qu'on dit que c'est un kafir pour autant? Non, on dit que c'est un fasiq. Mais il ne sort pas de l'islam. Ça, c'est l'aqidah de l'Ahl Sunnah. Ça, c'est l'aqidah de l'Ahl Sunnah. On ne va pas dire, comme il l'a fait, c'est qu'il a comme croyance que c'est halal, donc il sort de l'islam. Là. Nous, on juge selon ce qui est apparent. Il y a une exception à tout cela, c'est dans le cas où il ne sait pas que c'est haram. Donc on lui ordonne de faire un péché, il fait le péché. D'accord? Donc, yuti' bil fi'l. Mais il ignorait que c'était haram. Hadha ma'dhur. Lui, il est excusé. S'il n'avait pas la capacité de le savoir, il est excusé. Voici les détails de cette question. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans son livre Kitab al-Iman, a détaillé cela. Et dans un verset, Allah Azza wa Jalla nous dit: Wa la ta'kulu mimma lam yuzkaru ismullahi alayhi wa innahu la fisq wa inna ash-shayatina yuhuna ila awliya'ihim yujadilukum. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de manger la bête qui n'a pas été sacrifiée, sur laquelle on n'a pas prononcé le nom d'Allah lorsqu'on l'a sacrifiée. Elle nous enseigne que c'est une perversion. Puis il nous dit que les shayatins insufflent à leurs alliés, transmettent à leurs alliés, afin qu'ils dialogue et débatte à ce sujet. Et si vous leur obéissez, vous serez associateur. Les savants du tafsir ont expliqué qu'il s'agit ici dans le fait de rendre halal al-mayta, la bête morte. Il s'agit de rendre halal la bête morte. Donc ça, c'est un exemple du chapitre. C'est un verset qui a un rapport avec notre chapitre. Il y a un athar de Hudhayfa sur le verset, semblable au athar de Ali ibn Hatim, un athar de Hudhayfa. Donc, que l'imam al-Tabari a cité dans son tafsir. Qila lahu, donc il fut dit à Hudhayfa concernant ce verset que les gens ne les ont pas adorés. Il leur a répondu comme a répondu le prophète sallam a dit, d'accord, du fait qu'ils ont rendu haram ce qu'Allah avait rendu halal et halal ce qu'Allah avait rendu haram. Voici pour ce chapitre. Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lima fi salahina fi dunya wal akhirah wa yaghfir lana dhunubana wa yukaffir anna sayyiatina wa yatawaffana ma'al abrar.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا واغفر لأمهاتنا واغفر لآبائنا وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.